Il y a plusieurs années, j'étais à l'aéroport en route pour prendre un avion pour l'Ouest canadien. Puis un jeune homme, un jeune chrétien, un cinéaste chrétien qu'on aime ici, qu'on connaît bien, Guillaume, est arrivé. J'étais là dans mes pensées. « Hey, allô, Pastor Claude, aïe, on est sur le même avion, on va pouvoir, c'est malade et tout ça. » Ah, oui, c'est le fun, Guillaume. Et finalement, on entre dans l'avion, puis moi, j'étais assez plus en avant que lui, il était assez en arrière. Et c'est le jour, la semaine vers Vancouver. C'est beaucoup du monde, des gens d'affaires, puis tout ça. Moi, je me sens en avant tranquille. D'un coup, une fois en arrière, Guillaume, il crie dans l'avion. Un instant, mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. Il n'y a aucun problème, aucun danger dans cet avion. Il y a un homme de Dieu dans cet avion. Cet avion ne peut pas tomber, Pasteur Claude, ou des dedans. Le reste du voyage, c'est les gars dans.